Allez, salut les gars, voilà, j'espère que vous allez bien. C'est toujours moi de son hospital. Et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc, je fais cette vidéo-là dans le cadre des étudiants comme ça qui ont reçu des admissions ou bien qui ont reçu des bourses et qui veulent comme ça aussi essayer d'aller chercher comme ça leur visa. Et ce que vous devez savoir, vous devez savoir que pour avoir un visa là-bas au Canada, pas le Canada plutôt. Pour avoir un visa russe, voilà, vous allez comme ça essayer d'associer vos documents et une photo et aussi votre passeport et tout ça. Mais à la suite de tout ça, vous allez aussi ajouter le formulaire de visa, voilà, de visa russe. Donc aujourd'hui, comme il y a assez de demandes en ce qui concerne le formulaire de visa russe, surtout nos amis comme ça, maliens, nigériens et puis burkinabés, qui ont déjà fini maintenant, qui viennent juste de finir d'avoir leur bourse pour la Russie. Donc, je vais faire une petite vidéo comme ça. Ces personnes-là vont pouvoir essayer de remplir rapidement aussi leur formulaire de visa. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, le formulaire de visa, vous mettez sur Google. Formulaire de visa russe. Voilà, formulaire de visa russe. Ok, et arrivé là, vous voyez ici le premier lien qui se trouve là, vous cliquez dessus. Voilà. Et vous allez vous retrouver quelque part ici. Donc, ici, formulaire de visa, demande, ici, ils ont mis pour obtenir le visa russe, vous devez compléter un formulaire. Demande de visa rempli en ligne, par Internet. Voilà. Donc, vous cliquez là. Vous cliquez sur ce qui est là. Voilà. Vous allez vous retrouver directement sur la plateforme pour pouvoir continuer. Voilà. Donc, voilà un peu comment se présente la demande du formulaire de visa. Donc, ici, par exemple, comme ça, je vais choisir. Ici, je vais choisir directement. Je vais prendre Côte d'Ivoire comme mon pays. Voilà. Je vais prendre Côte d'Ivoire. Choisir Côte d'Ivoire ici et la langue dans les noms, ça doit être automatique pour mettre français. Voilà, mais c'est pas un problème. Si c'est pas automatique chez vous, vous faites comme moi, je mets français. Ok, et après cela, je viens juste là. Vous lisez très bien les éléments dont ils ont besoin ici. Vous lisez tout ce qui est là. Voilà, c'est assez important. N'oubliez pas. Et quand c'est bon, ici, ouvrez le formulaire déjà complété. Non. Ici, créer, compléter un formulaire, un nouveau formulaire. C'est ici qu'on doit cliquer. Mais avant, vous devez confirmer d'abord que vous avez bien lu. Donc, lisez bien avant de pouvoir le faire. Maintenant qu'on a fini, complétez un nouveau formulaire ici. Ok, donc, comme c'est votre formulaire, voilà. Ici, le password, mais dans plusieurs cas, moi. Ok, donc ok, et le ici on a 8, on a H, grand H, grand Y, grand C, grand G. Ok, voyons voir si c'est possible. C'est possible, ok. Et arrivé là, ils ont dit le numéro de votre questionnaire informatique de visa SA. S'il vous plaît, gardez ce numéro de demande de visa dans une place sécurisée. Donc ça veut dire que ce numéro-là, vous allez bien garder ou bien vous imprimer. Vous pouvez imprimer directement ici. Voilà, c'est-à-dire vous allez sauvegarder dans votre boîte, ou bien vous allez sauvegarder sur votre ordinateur. Maintenant, une fois que vous sauvegardez, vous cliquez là, continuer, et vous allez maintenant sur la plateforme pour pouvoir remplir votre formulaire de visa. Voilà, donc c'est ici qui se trouve important. Donc essayez de bien regardez,
pour ne pas vraiment vous tromper. Donc ici, la nationalité, je mets le Côte d'Ivoire toujours. Je mets Côte d'Ivoire ici. Je mets Côte d'Ivoire. Et ici, indiquer yes. Dans cette case, si vous avez eu la nationalité de l'URSS ou de Russie, sinon indiquez non. Ici, donc, nous, on est Ivoirien, donc non. Ok. Ici, on nous demande quoi? On nous demande dans la liste qui se trouve, qui s'ouvre en dessous, choisissez le but de votre voyage. Nous sommes là pour les études, donc on met visa études. Donc, on met visa études, ok. Et ici, on choisit le but dans la liste. Le but, c'est étudier. Ok. Études, study, ça veut dire études. Choisissez le but du voyage précisé dans la liste. Ok. Ça. Donc, indiquez le nombre d'entrées demandées. Voilà. Ici, vous êtes seul, donc vous rentrez avec un single ici. Ok. Et indiquer la date d'arrivée prévue en Russie au format. Voilà. Donc, ici, par exemple, lorsqu'ils vont vous donner, par exemple, comme ça, votre visa, vous devez regarder sur votre passeport la date à laquelle vous avez obtenu le passeport, ou bien votre invitation que vous avez obtenue, l'invitation que vous avez obtenue chez vous. Vous regardez sur l'invitation et vous allez trouver la date ici, la date d'entrée. Voilà. Donc, ici. Si par exemple vous avez obtenu votre invitation en août, voilà, ou bien en octobre, voilà, moi je considère qu'aujourd'hui c'est le 20, donc je considère que j'ai obtenu mon invitation le 10 octobre. Donc ici, par exemple, la date d'entrée en Russie, vous voyez, moi je vais choisir le 10 octobre 2023 et la date de sortie, je vais choisir le 23 décembre 2023. Voilà, donc je vais en Russie le 10. Et c'est comme si je ressors le 23. Donc n'oubliez pas, entre ces deux dates-là, il doit avoir 3 mois maximum. 3 mois. Donc octobre, novembre, décembre. Voilà, octobre, novembre, décembre. Et ici, c'est le 23 décembre. Voilà, donc je vais mettre ici, par exemple, comme ça, au lieu de 23, je vais mettre le 1er décembre. Ok. Donc maintenant, essayons de continuer. Ok. Donc. Ici, par exemple, comme ça, nous sommes à l'information personnelle. Donc, l'information personnelle ici, indiquez votre nom, donc le nom sur le passeport. Le nom sur le passeport, je vais mettre comme ça. Ok, et ici, on doit indiquer aussi mon prénom. Mon prénom, je vais mettre. Ok, et ici, veuillez préciser si vous possédez ou utiliser un autre nom de mariage en cas de réponse affirmative à cette question. Vous devez indiquer tous les noms et famille. Voilà, ils ont dit veuillez préciser si vous possédez ou utilisez un autre nom. Donc ici c'est non. Voilà, en ce qui me concerne, si c'est oui chez vous, vous mettez oui et vous avancez. Il y aura des listes encore à pouvoir remplir. Et le sexe, on prend masculin ici pour nous. La date de naissance, étant donné que je viens peut-être pour faire un master, je vais mettre que tu nais en 2005. Voilà. Octobre 2005. Ok. Votre date de naissance, votre lieu de naissance, je mets Abidjan pour éviter assez de choses. Voilà. Et quand j'ai fini, vous êtes né en Russie, coché. Donc, je ne suis pas né en Russie. Donc, ici, c'est non. Voilà. Maintenant, si vous n'avez plus d'informations, vous pouvez sauvegarder et après venir continuer avec sauvegarde. Maintenant, si vous avez toutes les informations, vous pouvez déjà continuer. On va cliquer là pour continuer. Donc, le numéro du passeport, ça, tout le monde le sait. J'ai fait le passeport en 2022, peut-être. 2022, 046, 834. Voilà, 2022, AF. Ok. Ok, la date de délivrance du passeport, je considère que c'est le 12 novembre 2022. Ok, et ça explique dans 7 ans, le 21, dans 5 ans, le 21
Avril, dans 5 ans, c'est-à-dire plus 5 ans, 2027. Ok, donc je continue. Je suis juste là, l'information sur le passeport. Donc, je continue ici. Ok, là, le nom de l'organisation. Le nom de l'organisation, ici, vous allez mettre le nom de l'université. Voilà. Donc, c'est l'université Polytechnique ou bien c'est l'université du Saratov. Je mets université. L'université sera sur votre invitation. Université de Saratov. Ok. Et l'adresse de l'université de Saratov, même si vous ne maîtrisez pas l'adresse de l'université, voilà, vous pouvez avoir l'adresse un peu partout sur le net. Donc moi je prends. Si, mais regardez très bien, je le dis encore et je le répète, regardez très bien sur votre invitation, l'adresse s'y trouve. Voilà, l'adresse se trouve sur votre invitation. Maintenant, si moi je n'ai pas l'invitation, si j'ai l'adresse, si je cherche l'adresse, je peux cliquer là. Je copie ça et je viens chercher l'adresse sur Google. Vous voyez, il met Université Saratov. Et quand je mets Université Saratov, ça m'apparaît ici. Donc je peux cliquer sur l'Université Saratov. Voilà. Et je vais me retrouver sur la plateforme. Vous voyez, ça c'est la plateforme de l'Université Saratov. Et là, moi je cherche l'adresse. Donc l'adresse, on n'a pas le temps pour nous qui écrivons le code. On met l'adresse ici. Vous voyez, c'est l'adresse qui est là. Donc, l'université Saratov, je peux copier ce qui est là, l'adresse. Voilà, je copie ça. Et je viens insérer sur ma plateforme. Donc, adresse ici. Voilà. Donc, c'est ce qui est là. Teen Organization, c'est pas la peine. Et puis, Télétexte aussi, c'est pas la peine. Maintenant, il y a le numéro d'invitation. Voilà, le numéro d'invitation, c'est noté ici. Si vous possédez une, ici, lisez très bien ici. Si vous possédez une invitation prise en charge établie en Fédération de Russie, veuillez saisir son numéro. Ce numéro est imprimé dans l'angle droit supérieur de l'invitation au format un chiffre, une lettre, jusqu'à 7 chiffres. Par exemple, 2Y, tant, donc, ici par exemple, ils ont pris un exemple ici, regardez. Votre invitation, votre numéro d'invitation peut être 2Y900. Attention, lisez très bien ce qu'il y a là. Lisez ce qu'il y a là. Attention, ne mettez rien dans le champ de saisie si vous n'êtes pas certain de pouvoir remplir correctement. Donc ici, par exemple, si vous regardez très bien, si je commence à mettre, par exemple, ce qu'il y a là, 2Y, regardez très bien. Je vais prendre l'exemple. 2Y, regardez très bien. 9, 2, 2. 4, 5, 6, 6, 2. Vous voyez là, ici, 2Y, 9, 9, 9, 2, 2, 30, voilà. Donc ça, c'est pour l'invitation. Ça, c'est pour votre invitation. Vous voyez? Mais il y a plusieurs cas. Si vous mettez et que l'invitation ne rentre pas ici, vous pouvez supprimer les 2Y qui sont là. Voilà, les 2Y qui sont ici. Parce que lorsque vous allez mettre et que ce n'est pas vraiment le numéro de l'invitation, il y a des numéros qui ne vont pas rentrer. Donc vous pouvez enlever les 2Y. Maintenant, si ça rentre, ok, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre ça et puis essayer de continuer. Ok, maintenant, nous sommes là. Ici, votre itinéraire, lorsque vous allez quitter votre pays, arrivez ici, quelle est la première ville que vous allez trouver? On va trouver Moscou. Si vous ne venez pas pour ça à Moscou, je vais trouver d'abord Moscou. Et après Moscou, je vais maintenant trouver Saratov. Voilà. Je vais prendre Saratov Region. Ok. Je vais trouver Saratov. Je vais trouver Saratov. Donc, après ça. Est-ce que vous avez une assurance maladie? D'abord, je mets non. Est-ce que vous avez déjà visité la Russie? Je mets aussi non. Ok, et j'avance. S'il y a un souci, on me dit qu'il y a un souci, je vais rectifier. Ok, ça va, on avance.
Est-ce que vous avez une résidence permanente ici en Russie? Je mets ici non. Voilà. Est-ce que vous étudiez? Do you work in the present time? Est-ce que vous étudiez actuellement? Si vous étudiez là-bas actuellement, ici on dit, travaillez-vous ou faites-vous des études actuellement? En cas de réponse affirmative à cette question, veuillez indiquer votre lieu actuel de travail ou d'études en fonction. Donc, si vous étudiez actuellement, vous allez remplir tous les éléments qui sont là. Le nom de votre université ici. Voilà. Le nom de votre université. Et vous pouvez mettre l'adresse ici aussi. La position, le pays. Vous pouvez mettre le pays. Voilà. Et vous pouvez mettre aussi l'adresse ici. Votre numéro de téléphone ici. Voilà. Et puis le mail de l'université. Mais dans plusieurs cas, on met non. Voilà. Pour éviter assez de choses. Les enfants qui ont moins de 16 ans doivent avoir ici. Veuillez sélectionner yes. Si vous êtes accompagné des enfants de moins de 16 ans. Donc nous, c'est pas la peine, c'est nous-mêmes, donc non. Voilà. Est-ce que vous avez des personnes ici en Russie? Des parents? Non. Voilà, donc on avance. Et ici, ils vont vous dire directement où est-ce que vous devez récupérer votre visa. Donc c'est seulement en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc après ça, on fait quoi? On continue. Et lorsqu'on continue, arrivé là. On vérifie bien si on n'a pas fait d'erreur. Vérifiez tout. Étant donné que moi, c'est juste de l'exemple, moi, je vais pas me fatiguer avec ça. Donc, une fois que c'est fini, je mets sauvegarder. Voilà. Quand je mets sauvegarder, ça m'apparaît ça. Je vais pouvoir l'enregistrer en format A4. Ici, le formulaire en format A4. Donc, je prends le formulaire en format A4. Ici, je vais pouvoir l'enregistrer. Vous avez vu, c'est venu là. Donc, c'est ce que. C'est cette fiche-là que je vais utiliser pour aller faire ma demande de visa. Voilà, donc cette fiche-là, je vais l'utiliser pour la demande de visa. Je vais ajouter à mes fiches pour aller déposer et récupérer mon visa. Voilà, donc les gars, c'était moi de Samos Pita. Et surtout, prenez soin de vous, abonnez-vous à la chaîne et likez les vidéos que je mets en ligne. A plus les gars.